את ההלכות. יום רגיעה, הלכות כוחה וכתובת קרקע, הלכה ג' דן ללכות ההלכות קלאסית, לספאז' 445. שמו, זה נמרוטציון מנואל 14. על בה. Et dans la première colonne, on a dit que Akash Bokhu, il a été Kavéchol obligé de créer l'homme le vendredi. C'est au colonne Marionim et Tartonim. Donc que l'homme il inclut dans les univers supérieurs et inférieurs. Nimsa Shadam, nous mechobar au colonne Marionim et Tartonim, nous mechaber à Kol. Le Sechalom ben Kol Maasé de Rishi. Donc l'homme, naturellement, c'est-à-dire de sa nature même, il est mechoubar à tout. Il est connecté à tout. Tout ce qu'il y a dans la bria, et tout ce qu'il y a dans ce monde, et tout ce qu'il y a dans l'autre monde. C'est-à-dire que c'est la connexion de tous les univers, c'est l'homme. Donc l'homme, c'est vraiment le point central de toute la création. Et il a été créé en dernier, donc le vendredi. Comme ça, il est après tout ce qu'il y a sur Terre. Et donc c'est lui qui va connecter tout ce qu'il y a sur Terre au-dessus du monde. Et de la même manière, quand on prend les mondes supérieurs et qu'on va le plus bas possible des mondes supérieurs, on va trouver l'homme aussi. L'homme, c'est le point le plus bas de tous les mondes supérieurs. Moins le plus haut des mondes inférieurs, le plus bas des mondes supérieurs. Donc c'est la connexion à tout. Donc c'est lui qui connecte tout. Ve'oseh shalom. Belkol ma'aseh bereshit. Et donc c'est lui qui arrive à faire la paix entre tous les éléments de la création. Puisque du moment où tous les éléments de la création ont en qui s'inclure, donc ils ont une possibilité de vivre en paix. C'est-à-dire pour que le végétal et le minéral et l'animal ils soient en paix, il faut que tous les trois ils aient une possibilité de s'inclure dans un niveau qui les dépasse à tous les trois. Maintenant après on va ouvrir aussi sur le lien du tzaddik parce que c'est le même principe. Je vais voir si Rabbi Nathan ne dit pas, alors on va ouvrir après sur ce lien-là. Parce que la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé l'homme, c'est pour qu'il soit un élément de paix sur Terre. C'est-à-dire qu'il fasse monter, qu'il élève tous les niveaux inférieurs vers HaKadosh Baruch Hu, et qu'il fasse monter toutes les étincelles de Kedusha vers leur origine. Alors ces étincelles de Kedusha, toujours on entend ça, c'est-à-dire tous les gens qui ont fréquenté un petit peu les milieux, l'underground, la Hassidoute, ils ont entendu parler des étincelles de Kedusha. Maintenant, c'est quoi ces étincelles de Kedusha? Ce n'est pas des feux d'artifice, ni des... Les étincelles de Kedusha, Pachoud, c'est toute la vitalité qui a été introduite dans le monde et qui attend d'être rattachée à son origine. D'accord? Hachem, il a mis dans le monde une énergie, une vitalité divine, dans tout ce qu'il y a sur Terre, dans tous les éléments. Que ce soit les minéraux, les végétaux, l'animal, l'homme, tout ce qu'il y a sur Terre, ça en soi une vitalité divine. Cette vitalité divine, là où elle est perdue pour l'instant. Elle fonctionne, mais elle fonctionne en tant qu'orpheline. Comme le disait Meretz, il a pas de père. C'est-à-dire on ne sait pas sur quoi le rattacher. Maintenant, du moment où on a fait le shalom entre ces éléments-là, alors on a ramené ces étincelles vers leur origine. C'est-à-dire que toutes ces étincelles, elles vont être reconnues en tant qu'éléments divins, et donc elles auront l'honneur qui leur revient.